Brandon, donne-moi un peu de détails là où on est arrivé. Donc ça va être mis en place là. Et on travaille proprement, vous êtes là. Hein? Allez-y. Continuez à répéter moi exactement. Qu'est-ce qui nous reste? Vous allez être ici. Ça, c'est tout là, ce qu'ils vous ont donné pour ça là? Le parcours a été très très long. Donc déjà, ça commence, j'ai arrêté de compter les années, hein, c'est-à-dire, bon, quand on est jeune, on termine l'école, à l'époque, il n'y avait pas réellement de career guidance, comme on dit, hein, c'est-à-dire, on ne sait pas trop réellement quoi faire. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, l'industrie touristique était bien, on va dire, prenait son ampleur, bien en place à Maurice. Et le secteur, on va dire, m'a attiré. Mais quoi faire? Quoi faire? Parce qu'il y a tellement de choses que, comme emploi dans l'industrie touristique. Mais moi, personnellement, donc après la HSC, je me suis dit, j'aime bien manger, donc pourquoi pas essayer la cuisine. Donc du coup, j'ai fait mon application pour l'école hôtelière. À l'époque, c'était Takurpip au KZN. Donc là, j'ai été admise. Donc tout doucement, j'ai commencé comme ça, comme un simple stagiaire en cuisine. Donc là, par contre, je suis tombée quand même dans de très beaux établissements. Donc j'ai commencé au Saint-Gérand. Donc les stages se faisaient au Saint-Gérand. Donc c'est vrai que déjà à l'époque, je me posais la question, je suis déjà la seule fille dans ma classe, ça c'est une chose. Et puis quand j'arrive à l'hôtel, je constate que en cuisine, quand je dis cuisine, c'est-à-dire parce que dans la cuisine, il y a plusieurs départements, hein, donc les femmes sont recalées, si j'ose dire ça ainsi, au petit déjeuner. Et ça a déjà m'intriqué, je me disais, mais ceci, moi je ne suis pas venue pour faire que ça. Donc voilà, donc j'ai commencé comme ça, mais malgré tout, j'étais bien encadrée, ok, avec les chefs. Je pense que j'ai eu la chance aussi de tomber sur des chefs qui m'ont fait confiance. Et puis c'est vrai aussi, il faut le dire, je reconnais, j'ai une force de caractère qui passe, on va dire, au niveau de la cuisine. Donc on m'a fait confiance et là je termine. Mon année scolaire avec l'école hôtelière. Et en même temps, au courant de l'année, comme je termine, il y a l'ouverture d'un autre établissement. Donc maintenant, c'est Long Beach. Auparavant, c'était le Cocoa Beach. Et là, je postule pour être employée dans cet hôtel-là. Donc effectivement, quand j'arrive encore une fois, pareil, la mentalité est toujours là. C'est-à-dire, il y a certains départements qui sont plus ou moins pour les filles. D'autres, on va pas les mettre. Et là, je commence malgré tout au garde-manger. Donc au garde-manger et au petit déjeuner aussi. Donc je faisais les deux. Et, mais très vite, je savais que je voulais faire plus. Parce que je sentais que j'avais l'aptitude de bien faire, d'aller plus loin. Donc c'était comme ça. Un jour, je vais voir le chef, je dis, moi, je ne me contente pas tout simplement de faire petit déjeuner ou garde-manger, mais parce que je vois que j'ai la capacité de faire d'autres départements. Et là, effectivement, je fais d'autres départements de la cuisine et je continue comme ça à progresser. Mais ayant une façon d'être très curieuse, de vouloir toujours apprendre, là, deux ans après, il y a un autre établissement qui s'ouvre. Donc, je continue. Je vais maintenant à la résidence, l'hôtel La Résidence. Donc, là, je travaille que le soir, par contre. Okay? Donc, une cuisine où il y a ces gastronomies qu'on fait que le soir. Et là, on me donne la responsabilité de tout ce qui est entrée, donc encore une fois. Donc, mais c'était une très grande responsabilité parce que là, c'était service à l'assiette avec très beaucoup de détails et tout. Et là, je vois que l'hôtel Lemuria aux Seychelles s'ouvre. Donc, j'y vais. Donc, pareil, je postule, j'y vais. Donc là, je suis engagée pour faire de la formation déjà, donc pour encadrer tous les jeunes qui vont venir en cuisine. Donc, ce qui veut dire que j'arrive beaucoup plus tôt que les autres, avec le chef bien sûr. Et là, on monte les menus, on fait la carte, on prépare tout. On doit se battre réellement pour se faire respecter, etc. Ben, malgré tout, je passe deux années et voilà. Et quand je quitte, je suis quand même au niveau de sous-chef de cuisine parce que j'ai pu réellement grandir avec l'établissement. Après, donc je rentre à Maurice de nouveau et le groupe Constance me demande quand même de continuer à travailler pour eux, donc que j'ai commencé à faire.
Mais en même temps, je me posais beaucoup de questions. Est-ce que c'est réellement ça, la vie, on va dire, que j'ai envie d'avoir? Parce qu'il n'y avait pas de vie de famille, hein. Il n'y avait pas de vie de famille, il n'y avait pas de samedi, il n'y avait pas de dimanche. Donc c'était tout le temps travail, travail, travail. Quand les autres dormaient, moi j'allais travailler, etc. Donc c'était difficile. Et puis arrive un moment, il y a une amie qui me dit, tu sais, il y a un poste à l'école hôtelière, est-ce que tu ne serais pas intéressée? L'équipe, donc bien sûr, c'est un travail complètement différent, c'est pédagogique, donc vous avez votre connaissance, mais il y a ça demande d'autres capacités, hein, donc d'autres aptitudes. Je le fais, je démarre déjà à Maurice, mais ensuite, tout de suite après, il y a l'école hôtelière qui s'ouvrait à Rodrigue, donc je devais partir justement pour aller faire l'ouverture de cette école hôtelière à Rodrigue avec une équipe, mais moi, j'étais la seule pour être responsable pour la cuisine. Donc j'y vais, ben voilà, je découvre, je travaille, j'apprécie Rodrigue effectivement, donc une nouvelle cuisine aussi que je découvre là-bas. Mais moi, je voyais que je manquais quelque chose. Donc d'où justement, j'ai des amis en France qui me disent, ben écoute, tu voudrais pas venir faire des études en France au niveau de la cuisine? Je dis oui, pourquoi pas? Ben là, j'avais quoi 26-27 ans. Je suis repartie en France et là, j'ai fait mes études. Là, c'était un baccalauréat professionnel, okay, au niveau de la cuisine. Donc, c'est un mix de cuisine et restauration. Donc, ce qui veut dire que j'en gagnais encore plus en termes de connaissances. Donc, effectivement, je sors brillamment, on va dire, de cet examen avec mérite. Et ça me donne cette envie réellement de continuer à apprendre et de continuer et de faire encore mieux mon métier. Allez, je me mets ensemble avec vous 5, 90 couverts. Si on n'est pas concentré, on n'est pas à jour dans tout ce qu'on va faire, ça va être, je suis désolée, une catastrophe demain. Et ce sera à cause de nous. Ce service-là va dépendre largement de nous là. Donc c'est pourquoi je demande à ce que chacun prenne sa responsabilité. Moi, je vais assurer le pass. Quand le bon va arriver, je vais annoncer. Donc, comme toujours, vous savez très bien, ça marche pour la table 2, 4 couverts, etc. Quand c'est fini, oui, chef, faites envoyer, vous dressez et on envoie. Vous deux, vous serez sur le pass pour le plat principal. Mais par contre, vous démarrez avec l'entrée là-bas pour envoyer. Arrive un moment, on va devoir avoir une personne ici et une personne là-bas. Parce que on a besoin qu'une personne reste là-bas pour faire sauter les braises et la cuisson du poisson. Est-ce que vous m'avez compris là-dessus? C'est un challenge. Dans ce cas, vous êtes en fierté. Il faut toujours être, on va dire, à jour, à la hauteur, parce que les élèves attendent beaucoup de vous. Parce que pour eux, dans un sens, vous êtes leur modèle. Donc, j'ai voulu continuer réellement à continuer à apprendre. Donc, d'où j'ai fait à ce moment, après quelques années, un degré avec l'Université de Technologie dans le tourisme et l'hospitalité. Et puis, un peu plus récemment, j'ai terminé avec le Master en éducation, leadership and, Education and Leadership, voilà, avec Open University. Et ben voilà, donc, pour vous dire que j'ai commencé depuis, j'ai terminé l'école secondaire, la HSC, bien après que je suis retournée on va dire, dans les études, encore une fois. Mais tout simplement aussi, il y a des circonstances de la vie, hein, parce que moi, je viens d'une famille très modeste où, à l'époque, on ne pouvait pas se permettre d'envoyer tout le monde à l'université, etc. Donc, mais quand j'ai eu l'occasion de le faire, encore une fois, c'est pour mon besoin personnel, pour mon travail, j'ai continué à le faire, effectivement. Quand vous êtes la seule femme dans un milieu d'hommes, ce qui veut dire que il faut que vous arriviez à prouver réellement de quoi vous êtes capable. Donc, ce qui veut dire que, en termes de capacité, il faut que vous démontrez, vous démontrez plus d'aptitude, si on peut dire cela. Alors que peut-être qu'on ne va pas demander la même chose à un homme ou à un garçon. Les difficultés, c'était surtout, fallait toujours travailler beaucoup plus dur, si on peut dire ça ainsi, pour réellement. Et puis, il fallait toujours que je me batte. C'est-à-dire, j'allais voir les chefs, je leur dis, mais voilà,
moi, je peux faire plus que cela. Ne me donnez pas que ça à faire. C'est-à-dire, faites-moi confiance pour faire autre chose. Il faut toujours démontrer qu'on peut bien faire, qu'on peut toujours faire aussi bien que les hommes, on va dire. Quand vous venez, on explique à ce point-là. OK? Quand vous quittez le bon, vous le lisez, vous me dites ce que vous avez sur votre bon. Moi, je vais l'annoncer. OK? Et entre chaque, moi, je vais vous dire, voilà, revenez dans 2 minutes, 3 minutes, etc., pour le prochain, etc. OK? Mais que le bon soit bien rempli comme il faut, vous avez. OK? Combien de couverts, finalement, on est arrivé? Quand je fais la formation, je vois les filles arriver postuler pour faire la cuisine. C'est vrai que je suis un peu sévère avec elles parce que j'ai envie qu'ils se forgent ce caractère, on va dire, pour réellement être capable de faire ce métier. Je suis arrivée aussi avec des personnes qui n'acceptent pas l'autorité d'une femme quand il s'agit de faire des choses. Ben, vous savez, qu'est-ce qu'on peut y faire à ce moment? Ben, moi, le travail continue. Ben, voilà, donc, si tu ne peux pas le faire, si tu n'as pas envie de le faire, ben, je vais voir avec quelqu'un d'autre, il va le faire. J'ai débuté en tant qu'élève à l'école hôtelière. Et ça, j'aime bien dire ça à mes élèves. Hein. J'ai débuté en tant qu'élève à l'école hôtelière. Et j'ai grandi avec cette institution. Cette institution m'a fait confiance. Et aujourd'hui, je suis responsable du département de la cuisine et de la restauration. Je fais tout le temps pour valoriser. Donc, comment donner de la valeur? C'est déjà par la formation que nous donnons. Je me bats, par exemple, pour qu'on soit à jour avec les dernières technologies au niveau de la cuisine. Donc, je fais comprendre à la direction que non, on veut avoir une formation de qualité, mais il faut investir dedans. L'industrie touristique est un élément essentiel pour l'économie de Maurice. Donc, ce qui veut dire qu'on contribue à cela. Donc, c'est pourquoi c'est très important que la qualité qu'on donne en termes de formation va contribuer à l'avancement de l'économie du pays. Donc, c'est pourquoi je dis que la responsabilité est grande parce que ce n'est pas que l'école, c'est le pays aussi qui est en jeu à ce moment. C'est vrai que on a Maurice, beaucoup de temps à travailler. Mais puis, ça va me permettre aussi de voyager. Okay? Et tout ça, il faut que les jeunes comprennent que cette industrie-là, on le fait par passion, par amour. Et si ces deux-là ne sont pas là, ça va être très difficile à l'avenir. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de difficultés, il y aura des difficultés. Et les difficultés sont bel et bien présentes. Mais quand vous avez cet amour, on va dire, cette passion, ben, il surpasse toutes ces difficultés-là. Quand je dis il y a un autre aspect de la vie, c'est-à-dire là il faut que je porte, on va dire, plusieurs casquettes. Ok, donc quand je suis chez moi, bien sûr, je suis connue comme maman. Les enfants, je me réveille comme toutes les mamans, on va dire, le matin pour préparer le petit déjeuner. Mais en même temps, après, il faut venir travailler. Donc, il faut s'arranger ou quitter les enfants, on va dire, parce que quand ils sont petits, donc bien sûr, des fois, il y a la garderie, mais des fois, on demande à ce qu'il y ait un babysitter qui vienne à la maison, etc. Donc, il fallait... C'est toute une organisation qu'il fallait avoir parce qu'on a un travail à côté. Okay? Et d'ailleurs, c'est une des raisons, je pense, pourquoi il y a des femmes. Ils préfèrent laisser leur travail pour réellement s'occuper de leur famille. Okay? Parce que ça demande réellement une organisation. C'est pas évident. C'est pas évident d'être maman et d'être employée dans une entreprise en même temps. Donc, c'était difficile. Mais heureusement, mon époux, okay, c'est quelqu'un de très compréhensible, donc il m'a beaucoup aidé dans cette organisation. Quand moi je ne suis pas là, il était là pour s'occuper des enfants, ou bien s'il n'y a pas de babysitter, donc on s'est organisé. C'était toute une organisation. Il fallait toujours tout prévoir d'avance quand on a des choses à faire. C'est vrai que le métier de cuisine, je le fais au niveau de mon travail, mais ça ne veut pas dire que je dois impérativement le faire aussi chez moi. Okay? Donc non, on le partage. On partage quand on parle de tâches ménagères, on parle du tout.
Donc, que ce soit le repassage pour laver, mettre les linges à sécher. Quand les enfants étaient petits, leur faire donner le bain. Ben, on partageait le tout, le tout, le tout. Mon époux, lui aussi, il est, je ne dis pas qu'il est dans le domaine, mais il était dans la restauration lui aussi, mais côté service. Okay? Donc, ce qui veut dire que lui aussi, il a cette touche, on va dire alimentaire. Donc, il connaît un peu. Mais c'est vrai aussi que quand il est en cuisine, moi, je fais autre chose. C'est-à-dire qu'on n'est pas ensemble dans la cuisine. Être femme, être maman, être employée, c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Okay? Mais, et c'est vrai que cela devient plus compliqué, surtout si professionnellement vous montez en échelon. Okay? Parce qu'on va attendre beaucoup plus de vous à ce moment. Okay? Mais moi personnellement, je dirais aux femmes, déjà, soyez fiers d'être femme, parce qu'on a la capacité. Et puis, donnez-vous tous les moyens pour pouvoir bien faire et se faire respecter. Ça aussi, c'est très important. Okay? Donc, faites-vous respecter, respectez les autres déjà vous-même aussi. Et je pense qu'il n'y a pas de métier que la femme ne peut pas faire. Il n'y a pas de métier que la femme ne peut pas faire. Tout est accessible maintenant à la femme. Mais c'est vrai, on a ce qu'on appelle des mentalités autour, qu'on va devoir s'adapter, qu'on va devoir faire plus d'efforts, etc. Mais c'est comme ça, hein, le monde tourne. On ne peut rien faire. À ce moment, moi je dis, soyez fiers et faites-vous respecter, vous serez respectés dans tout ce que vous faites. Oui, mais c'est deux tables, c'est pas une table. Et c'est ça, c'est pas lui. C'est pas lui, papa me dit c'est la table. Oui. Non, ça veut dire qu'il y a deux tables, une là. Il faut trouver quelque chose de beaucoup plus simple, parce que je ne pourrais pas avoir ça dans toutes les assiettes quand je suis en train de dresser. Moi, je dirais aux Mauriciens, pour la nouvelle année, déjà, trouvez des produits locaux, essayez de l'adapter réellement aux fêtes, ok? Et je pense qu'on arrivera à bien manger. Donc, c'est pourquoi je dis, je ne donne pas de recettes, mais déjà, pensez à cette partie locale qu'on aurait pu mettre en avant pour les fêtes.